Allô? Allô? Y a quelqu'un? Bienvenue les amis! Salut! Shalom, salam! Vous êtes sur la nouvelle chaîne de Riposte? Ah oui, bon, l'actualité est tellement chargée que bon, on n'a pas le choix. On est obligé de faire des nouvelles chaînes hein, pour pouvoir discuter et commenter l'actualité qui est extrêmement chargée en ce moment entre l'Algérie et le Maroc. Et pour vous introduire sur cette nouvelle chaîne, donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un petit peu différente de celle qu'on faisait précédemment. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, Riposte, pourquoi tu ferais pas un truc un petit peu éducatif, etc., etc., etc. J'ai dit, ok, pas de problème. Et puis bon, j'ai décidé de faire un tuto guitare pour Bounif. Ah, vous voyez? Allez. Et j'ai même introduit des effets spéciaux comme ça, regardez. Voilà. Tuto guitare pour Bounif, ou spécial, avec zoom sur le nif, sur le pangolin. Vous l'avez reconnu? C'est le pangolin en chef du Nord-Est. Voilà. Allez, hop. Voilà. Tuto guitare Bounif. Et donc aujourd'hui, donc je ne suis pas Riposte, je suis donc Riposte, professeur de musique, et on va s'intéresser à la musique, notamment chez les pangolins de l'Est, chez les chansonnettes un petit peu connues des pangolins de l'Est comme l'hymne national algérien. Donc les Bounifs, c'est un cours de musique pour vous. Et on va étudier donc la gamme pentatonique l'Algérie. La gamme pentatonique l'Algérie, donc pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas musiciens, donc les gammes, c'est des ensembles de notes qui traduisent, qui retranscrivent un style de musique, une impression, une émotion, etc., une particularité. Et il s'avère que j'ai découvert que l'Algérie avait sa propre gamme, la pentatonique l'Algérie, et qui justement c'est une gamme qui reflète tout à fait l'Algérie actuelle, l'Algérie clochardisée, l'Algérie en pénurie d'eau, en pénurie de smid, en pénurie d'argent liquide, en pénurie de voitures neuves, en pénurie de tout, en pénurie d'air, en pénurie d'oxygène. Et il s'avère que tout ça se retrouve concentré dans une gamme, la gamme pentatonique l'Algérie, hein, qui se compose, mes amis, des notes. Alors, je vais la plier comme ça pour vous la montrer. Alors, est-ce que vous voyez bien là sur l'écran? Alors, je ne sais pas. Alors, si ça va bien. Alors, là, si, mi, do. Alors, donc c'est une gamme pentatonique, là, si, mi, do. La, si, mi, do. Déjà, la première remarque que vous auriez dû me faire, bon, Riposte, si c'est une pentatonique, pourquoi tu n'as que 4 lettres? Ah, je dis oui, bah, c'est la pentatonique à l'Algérie. Alors, il y en a un qui s'est servi, il y en a un qui a tapé dans la gamme. Hein, donc, il n'y a plus que 4 lettres. C'est une pentatonique, mais à quatre notes. Voilà. Ensuite, retenez bien les notes suivantes. La, si, mi, do. La, si, mi, do. D'accord? La, si, mi, do. Maintenant, pour mes amis marocains, ceux qui réfléchissent à la fois avec un cerveau marocain, ceux qui réfléchissent avec le cerveau reptilien et le cerveau marocain à la fois, hein, concentrez-vous sur ces notes, la, si, mi, do. Et si vous vous concentrez suffisamment, hein, vous allez avoir apparaître des messages subliminaux qui sont cachés derrière la pentatonique de l'Algérie. Hein? Concentrez-vous. La, si, mi, do. Hein? Donc maintenant, transcrivez ces lettres en arabe. Et si vous faites la transcription vers l'arabe, de la, si, mi, do, vous obtenez le message subliminal qui résume tout à fait l'Algérie actuelle. Hein? Regardez, mes amis. Regardez, mes amis. C'est la première fois que vous aurez un cours de musique algérienne. D'accord? C'est Riposte Maroc qui vous le fait. Et il vous explique tout, hein, en 2 minutes, avec juste une feuille A4. Il n'y a pas besoin de plus. La, si, mi, do, la gamme pentatonique l'Algérie, hein, et le message subliminal, vous voyez, la smid, la ma, la do, la, si, mi, do. Eh oui, mes amis, c'est là qu'on comprend toute la profondeur de la musique, voilà, de l'expression de la musique. Et là, quand on voit qu'en 4 notes, toute la réalité algérienne est résumée, la si mi do, la ma, la smid, la do, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Vous voulez quoi? Vous voulez passer à la partie pratique? Ok, pas de souci, on passe à la partie pratique. Alors, mes amis, donc voilà, donc là, j'ai une vieille guitare,
Hein, j'ai une vieille guitare. Donc c'est pour le tuto Bounif. Elle n'est certainement pas accordée et manque de petites cordes en bas. Il manque de petites cordes en bas, mais c'est pas grave. Nous, on va pouvoir faire le tuto quand même avec. Et donc, moi, en tant que Marocain, donc tout ce qui est dans la tradition marocaine, donc tout ce qui est algérien, donc on le joue comme ça, on le joue, même si c'est des gammes mineures, hein, on le joue avec le majeur. On le joue avec le majeur, et sur la pentatonique l'Algérie, donc ça va se jouer sur les frettes 2 et les frettes numéro 3. Donc voici les notes. La, Si, Mi, Do. La, Si, Mi, Do. Donc voici les notes de la pentatonique l'Algérie, La, Si, Mi, Do, La, Smid, La, Ma, La, Do. Et figurez-vous que cette pentatonique est également, on la retrouve dans l'hymne national algérien, Allez Multibonif. On va essayer de faire l'hymne national algérien ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est parti. Alors. Attendez, ça c'est pour vous. Ça. Si je vais plus loin dans la chansonnette, la SACEM va me réclamer de l'argent. Parce que si vous ne le saviez pas, donc l'hymne national algérien est protégé par les droits. En fait, il appartient à la SACEM. Il appartient, je crois, je ne sais pas qui, à Émilie Buscan, un truc comme ça, celle qui a dessiné le drapeau algérien. Et donc, en fait, à chaque fois que l'hymne national algérien est joué, donc, la SACEM réclame des droits. Donc, il faut payer. Donc, on va se concentrer uniquement sur l'intro. Mais bon, on peut voir que pour tout le reste de l'hymne, c'est la même chose. Hein. Il est tout basé sur la... Tout est basé sur la pentatonique, l'Algérie, hein, en la si mi do, la si mi la ma la do. Hein. Et ça illustre tout à fait la situation actuelle de l'Algérie, et notamment le pangolin en chef, que vous voyez ici, là, hein, d'accord, avec le pangolin en chef, qui confirme ce qu'on vient de voir hein, dans la gamme. Dans la gamme de la si mi do, la pentatonique l'Algérie, la ma la si mi la do. Voilà, donc que faire de plus pour vous expliquer un petit peu pour terminer ce tuto. Et il me semble aussi qu'on retrouvait cette gamme dans la fameuse chanson d'accueil de François Hollande à l'époque de Bouteflika. Donc ça devait être un truc comme ça. Donc toujours avec le majeur, hein, toujours, là, toujours le majeur marocain qui lance la note, hein, toujours. Toujours. Donc attention, hein. Attention à bien utiliser l'appui du majeur. Hein. Vous êtes prêts? Allez les bounifs. Alors. Bienvenue François Hollande, d'Algérie et quatre ses gens. C'est bien les bounifs, allez, on continue. Allez, bon, allez, toujours dans la gamme, hein. Vous restez dans la gamme pentatonique algérien, d'accord? Donc, la, si, mi, do, hein. Vous restez dans cette gamme-là et vous pouvez faire la chanson d'accueil à François Hollande, vous êtes prêts? Bienvenue François Hollande,
Oui, souvenez-vous de cette scène assez culte, hein, on voyait Hollande qui bavait avec, comment ça s'appelle, ça permet, je ne me souviens plus du nom de sa femme à l'époque, Valérie, hein, c'était avec Valérie et Hollande qui draguait les petites, bon, les petites, les grosses Tlemcéniennes en combinaison de l'espace. Ah, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Voilà, donc mes amis, donc c'était une petite vidéo pour ouvrir la nouvelle chaîne de Riposte. Alors, voilà. Donc, voilà, la nouvelle chaîne de Riposte. Hein. Donc, voilà, donc dès qu'on a, donc abonnez-vous, et puis dès que YouTube nous donnera la possibilité de faire des lives, on se retrouvera pour commenter l'actualité. Et bien sûr, comme d'habitude, bah, se payer la tête des bonifs. Allez, ciao, ciao, les amis.